Donc ce qu'on va faire aujourd'hui sur la petite péteuse du Seigneur, KTM SX de 1997 exactement. C'est une bonne vieille moto, c'est solide franchement. Voilà, là maintenant elle est réglée à midi, elle pète le feu, mais un truc de fou. Franchement, elle arrache le bitume, elle arrache tout, ma mère. Je te jure, c'est un bonheur. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai un pote qui m'a prêté une ponceuse. On va passer un petit coup de ponçage. Une manière d'avoir la même couleur du réservoir sur les carénages. Comme tu peux voir, là, la couleur que j'ai levé le scotch qu'il a mis l'ancien proprio. La même couleur que le réservoir. Vu que la peinture n'accroche pas bien, je vais tout poncer, tout à nu. Je vais faire en sorte que la couleur d'origine, je vais essayer de la faire briller en fait, la couleur d'origine. Couleur stock, je vais essayer de la faire briller. Comme ça, j'ai pas à peine sur le carénage, il n'y aura pas de peinture qui va s'écailler ou quoi que ce soit, mais cool. Poncer, comme le réservoir là, qui est bien propre. Mais bon, j'ai pas fait les finitions, mais voilà. Là, après, là, il y a des petits marquages, je sais pas si tu vois bien dans la vidéo. Il y a des petits marquages blancs là, mais avec un décapeur thermique et la couleur revient de suite. Coup de décapeur thermique partout, la couleur ça va la faire revivre, ça va la faire briller un peu. La bécane elle est pas tout à fait terminée encore, elle est dans cet état là, mais elle est pas tout à fait terminée. T'inquiète pas mon frère, elle va pas rester comme ça bien longtemps. C'est pour ça, abonnez-vous les nouveaux là, qu'il y en a qui tombent sur mes vidéos. Abonnez-vous parce que franchement cette bécane, elle est peut-être vieille, mais attention comment elle va claquer après. Là, ça met un peu de temps, le confinement, l'argent, je peux pas travailler, nanana. Bon, c'est un peu compliqué, donc du coup, c'est pour ça, là, je commande rien. Voilà, j'espère que la petite vidéo va te plaire. Je vais prendre la petite ponceuse, je vais la préparer et je vais te filmer en train. Moi, en train de poncer les carénages. Une petite vidéo manière comme ça. On essaye de s'occuper comme un peu au confinement. C'est dur, c'est chiant, c'est compliqué, mais c'est pour le bien de tous. Donc voilà, ça, on va commencer tout de suite. Bon voilà les gars, là je vais faire cette partie là, dans un premier temps. Voilà la ponceuse avec quoi je vais l'utiliser. Ah ça marche plutôt bien hein. €15 la ponceuse. Voilà les gars, voilà, en gros, voilà ce que ça donne en gros. Hein. Donc voilà, hein. Voilà. Là, c'est magnifique. Là. Voilà, genre. Tu vois ce que je veux dire? Couleur paint, couleur d'origine. Il n'y a pas trop d'imperfections. Bon, là c'est mat parce que je l'ai fait au gros grain. Hein. 60, je crois. Ouais, grain 60. Et après, à la main, avec de l'eau. J'enlèverai le pot de pêche qui est en fait. J'ai pas de trépied pour le téléphone. Voilà, un gros tronc, un seau bien dégueulasse pour vous mettre à hauteur pour le garde-boue du Seigneur. Et encore, j'ai les petits pieds sur le petit trépied. On va faire comme ça et c'est magnifique. Voilà. Tu vois? Comme des professionnels. Brosse. Pour enlever la peinture, tu te bloques dedans.
pas faire ça, mais... Ah, non, tu vas lever les vis, quand même. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, ça passe, lève les vis, mon Dieu. Ça tient pas sa mère. Même l'autocollant il fait avec la peinture. C'est de la merde. C'est du coloriage. Touf. Qu'est-ce que ça fait? Damn. C'est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus propre. Attends, je t'enlève le flash. Non. C'est beaucoup plus propre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais. Là, tu le vois par rapport à ce carénage là-bas. Là, ça fait beaucoup plus propre. Ça n'a pas le même orange que... C'est ça qui est embêtant. Mais j'ai pas fini. Là, le carénage, il est mat, donc il va finir un peu comme le réservoir, voire plus orange. Ah, il est bien mat, là. Mais j'aime bien. Ça fait joli, ça fait propre. Oh, par rapport à là, c'est plus propre. Voilà, ça a pris un coup là. Donc, des capeurs thermiques, ça va venir de toute façon. Tous les petits les trucs en blanc là, comme ça, tout. Il y a, avec des capeurs, franchement, ça va tout enlever comme là. Ça va enlever ça avec des capeurs. Bon, moi je continue, les gars, et vous verrez le résultat final sur mon Instagram. Va sur mon Instagram qui est juste ici. Là, ici, ça, voilà. Et il y aura la photo de la moto toute poncée, comme ça là. Toute poncée. Sur ce, moi je continue. Et puis voilà. Hein. Tchuss.